Bonsoir, nous belles nouvelles pour ça, c'est dit 30 mai. On nous voit à bonne point principal, ça bulletin pour commencer. Dans le bulletin tantôt, le président Reverend Calawan a adressé une rencontre au niveau à côté de la 4e conférence internationale de l'État d'asile qui est développée. Bonne mars, il a une rencontre avec la Commission Réveni et les autres entités pour cause le climat pour améliorer cette bonne défaillance. Aussi dans le bulletin, Penda Chopi a reconnaître et récompensé pour thèse qui est présentée pour son doctorat Creativity, Creolization and Identity in Seychellois Creole Folktales. Un groupe d'enfants sorti dans l'école primaire Montfleury et a fait une licence éducationnelle Maurice. Toujours dans le bulletin, l'Institut pour Kelsey, l'Héritage Line lance son nouveau site web et aussi l'ouverture de la semaine. On nous voit bulletin en détail. Président Reverend Calawan a souligné aussi pour financement concernant le changement climatique qui dit important pour gagner l'infrastructure appropriée pour assurer la sécurité de l'énergie, réduction de gaz qui lague dans l'air et pour renforcer l'économie. Président Reverend Calawan a adressé une rencontre au niveau à côté de la 4e conférence internationale de l'État d'asile qui peut développer. Il a fait cause de son capacité comme président 7e session de l'Assemblée Sidstocks. Président Rom Calawan souligne sa poids qui bon petit l'état d'asile peut faire face avec et demande communauté financement international et bonne partie prenant pour autres support. Président Rom Calawan il aussi assisté réception comité SIDS de Kaiwan côté une déclaration conjointe entre SIDS Doc, l'autrice et l'Organisation Nations Unies pour développement industriel. Sa déclaration y établit un partenariat 10 ans qui pour promouvoir ben l'objectif conférence ban l'état d'asile qui peut développer. Président Rom Calawan il aussi participe d'un dialogue au niveau Commission climat ban l'état d'asile africain organisé par CECEL. Sa l'événement une opportunité pour souligner plusieurs initiatives qui capable support ban membres pour faire avancer aux transitions vers un avenir résilient envers changement climat. Ministre pour la Santé, Peggy Vidot, il a adressé 77e session plénière de l'Assemblée générale, l'Organisation mondiale de la santé, WHO, Genève, la Suisse. L'ETP répond au rapport secrétaire général de l'organisation, le thème « Tout pour la santé pour tout ». Ministre Vidot, il cause le bon défi qui est réalisation CCL pour le développement durable, ministre dit que l'obésité, l'addiction à bonnes substances et le changement climat sont trois menaces pour bien-être et développement économique pays. Ministre informe l'Assemblée qui récemment il a une campagne nationale contre l'obésité et coopération régionale qui tombe d'accord pour revitaliser la lutte contre l'addiction avec bonnes substances et les efforts pour réduire et adapter contre le changement climat. Commission Réveni CCLSRC organise une rencontre pour bonne masse qui va en gros et bonne qui va en détail, qu'on se ensemble avec les autres partenaires pour répondre aux questions qu'ils sont capables ou non. Sa rencontre avec sa bonne masse le pralin la digue, il vient après que SRC il a remarqué qu'il y a certaines défaillances, les autres types faits, les autres audits. En gros, Commission Réveni, SRC, il sentit qu'il y a une masse pour suivre une régulation qui en a en place. Mais il remarque une défaillance pendant l'audit qui montrait qu'il y en a un manque d'éducation. Et pour sa raison, que SRC a décidé d'organiser une rencontre avec une masse ensemble avec les autres entités pour cause de sa défaillance et que consigne qu'il y a une masse y en a. Ça y est qu'il y a une masse qui va en gros et qui va en détail. L'éducation est importante parce que l'éducation couvre différents aspects services qui nous donnent la commission Réveni CCL et m'assurer couvre différents aspects services ou bien la loi qui est gouvernée par une entité qui est présente aujourd'hui. C'est pourquoi nous décidons pour nous venir devant, pour nous venir donner bonnes retailers avec conseillers à l'éducation tout simplement et pour nous aussi gagner un sens pour nous conduire conseillers. Pour nous écouter ces sessions et pour nous partager notre feedback et nous voir pour dire pas bonne question qu'ils ont demandé, pas bon point qu'ils ont mis devant, qui tient à un manque d'éducation, simplement le set de pratiques qu'ils ont pu faire et qui est capable d'aider les autres plus tard, le côté de l'obligation, pour être capable d'être plus compliant.
SRC est aussi adressé lesquels qui devraient taper sa vieille et nécessité pour garder bien record de bonnes transactions. Certains massins indiquent qu'ils payent en masse les bonnes récits, mais ils ont blanchi vitement et écouter pour à chaque fois faire photocopie. Ils ont été encouragés pour garder des copies électroniques pour faire plus facile pour voir bonnes records les temps nécessaires. La Banque centrale te cause le bon différent bénéfice pour accepter paiement par carte et aborde risque fraude. Il y en a massin qui sentit que la quantité d'argent qui certains consommateurs peuvent payer avec carte est trop petite, les temps de maintenir sa pourcentage qu'ils ont la banque peut s'ajouter pour sa transaction. Ou pas supposé payer imposer un minimum à un client. À cause d'un agreement qu'il fait avec la banque pour gagner sa machine, il mettait qui, en principe, n'a pas minimum. Si un Dominicain a venu avec un 10 roupies, il est payé quelque chose avec 4, à quelque chose 10 roupies, il devrait, ramassant, il devrait accepter à 4, comment, paiement. Mais, Lisa Massan, s'il n'a pas envie d'accepter, est-ce qu'il est capable de refuser sa client? En principe, il n'est pas supposé. À cause, si vous pouvez offrir au client avec bon différents moyens de paiement, je suis supposé capable de payer avec sa bon différents moyens de paiement. So, si vous faites mon 10 cash, je dis OK, je vais faire une transaction cash. Mais si vous donnez l'option pour faire POS ou card machine, je suis capable de choisir OK, je vais faire sa commission, je vais payer avec mon carte. Commission pour commerce ZIS, FTC, qui met l'emphase sur l'indice prix 5 marchandises qui en vente. FTC a aussi fait ressortir qu'ils ont commencé à remarquer un produit qui l'a indiqué qu'il s'est posé vendre dans ce pays, mais ce produit peut vendre dans la boutique ici. Et qui a encore un autre produit qui l'information là et dans langage qui pas n dans sa trois langages officiels Cécile. Les officiers de la santé qui sont présents, qui mettent l'emphase qui est important qui est consommateur connaît quoi qu'il peut consommer. Docteur Penda Chopi dit qu'il s'apprit qu'il recevra avec l'Université Malta pour meilleure thèse au niveau doctorat et l'accomplissement inoubliable. Titre son thèse, c'est Creativity, Creolization and Identity in Seychellois Creole Folktales, une version de titre au niveau doctorat depuis 2019 jusqu'à 2022. Cérémonie pour présenter Dr. Penda Chopi avec son award pour son thèse Creativity, Creolization and Identity in Seychellois Creole Folktales, qui fait côté campus UNICE Montfleury et ça tient cérémonie virtuelle. You really have to understand your subject for the experience not to be painful and for it for the end result to be what you desire. Dr. Chopin commence son étude au niveau doctorat en 2019 avec l'Institut Islands and Small States de l'Université Malta. Il a gradué avec un doctorat dans philosophie en mars salonnais. Je ne suis pas capable de dire vraiment que je n'ai aucune vraie difficulté, sauf que c'est un petit peu difficile pour moi d'apprendre à servir certains outils recherches le côté technologie à cause ça il vraiment pas il pas trop mon affaire mais c'est le moment vu que l'état mon à Malta de commencement je demanderai où qui m'aille pour servir ces bons outils avec l'aide les autres du monde autour moi aussi mon de pour faire ça est vraiment pour faire l'analyse mon data les montin fini mettre tout ensemble. Contenu thèse Dr. Chopi, en grande partie, racontage et livre d'histoire créole, avec l'emphase, bien sûr, l'identité créole. Sa thèse présente un petit peu, c'est comment un modèle pour un peuple qui commence à travers conflit, qui a une grande disparité entre différents éléments de la population, mais qui nous réussit à un seul peuple avec une seule identité. Vous vous dites, ça y a encore existé comme il a? C'est l'identité. Comme là, je commence à entendre des causes concernant la communauté ici, la communauté là-bas, qui ici, c'est celles qui ont existé. Ça, hein? Nous tout le temps une seule communauté. Nous capables de différentes couleurs, différentes races, différentes religions. Mais c'est moi là, nous pouvons causer un Seychellois, ou bien un créole, ou qu'à n'importe qui couleur, n'importe qui race. Y compris nous tous. C'est pour ça que nous servons à mon melting pot. L'état un peu créolisé, il finit homogène,
il pas mon pour moi personnellement pas croyant une bonne idée pour nous commencer séparer pour dire communauté ici communauté là-bas cause nous commence faire communauté ici là-bas l'aime après comment ça arrive conflit. Comment ça arrive conflit identitaire, conflit racial qui vit qui existe conflit racial dans nos sociétés à cause ça va faire l'esclavage mais là nous venons un peuple créole nous sait faire façon pour nous adresser ça et pour nous donner tout le monde même droit tout le monde en même sens son l'identité qui n'a pas ça qui supposé supérieur ou ça qui supposé inférieur ou bien n'a pas gradation mais nous fait un progrès nous pas capable retourner en arrière. La première fois que l'Université Moltaï présente un award pour bonne thèse, le Dr Chopi, sa award pour meilleure thèse et l'accomplissement inoubliable. Pour moi, il y a un grand plaisir, comme si il y a une grande fierté. Il y a quelque chose qui m'en atteint dans mon vie, mon quoi, qui pour marquer moi tout le temps. Plus l'information de la population, mouvement et l'attitude de Karang Lidan, il y a un topic qui dit qu'il est intéressé dans la marine, secteur la piste, et la piste pour la loisir, n'apprendre plus l'eau là. Ça a été fait dans une présentation recense qui Dr. Jessica Glass est assistant professeur du département la piste pour l'Université Fairbanks, Alaska. Il présente ce Sport Fishing Club Cécile qui organise sa présentation qui fait écouter le Yacht Club. GT, Giant Trevally ou bien Karang Lidan en créole, il est l'espèce poisson qui passe dans nos mers Sicile, mais partout dans le monde. Il est prédateur plus haut dans la scène alimentaire et recherche en tout le monde. Il montre si nous tirons sa bonne prédateur, dans certains cas, tout écosystème est capable de désintégrer. Ça, tu fais ressortir de présentation recherche que Dr. Jessica Glass en fait pendant beaucoup d'années, le Karang Lidan. Et Bluefin Trevally ou bien Karang Vert, quand ils finalement partagent le résultat s'opposé le sabon l'espèce avec mon public qui inclut des gens qui la pêche pour loisir et intéressé dans ce secteur maritime. I've been waiting for the chance to come back to Seychelles after COVID and after finishing my degrees and fellowship because the Seychelles Sport Fishing Club and many local Seychellois, as well as many of the commercial angling guides, helped me a ton with this project and helped me collect samples. And I never had a chance to present the results yet to the public. And so I really wanted to come back and share what we've learned. Résultat sur l'étude qui en fait et montre un petit peu la situation poisson Karang Lidan dans ses selles, le côté combien il y en a, son mouvement dans la mer, son génétique et son la diète. Dr. Glassy dit avec sa bonne recherche, il est capable d'être ses selles, poser et conserver sa bonne espèce. I think it's really important to understand, you know, the connectivity component is good to for you know policy and management and conservation decisions, right? You have a fish, where does it spend its juvenile stage? Where does it spend its adult stage? Are they migrating? I think it's also just important because as Seychelles is moving to, you know, designating these areas for protection or fishing or other types of extraction, knowing kind of when and where and what species you might encounter and how that might affect the, you know, not the impact of that industry or fishing pressure on those species is important. The second really interesting finding from my research is that we found across three different islands in Seychelles, Farquhar, Providence, and Mahé, we found really different trophic position and trophic structure. So basically that the fish on these islands are feeding on different things. We were comparing juvenile and adult fish, as well as the impact of habitat type. So whether it's an atoll or a lagoon or mahé, these granitic rocks, how does that impact their diet? And I think that's really important, again, for spatial planning, for understanding the behavior and connectivity of these fish. And so combining the genetics work with the diet work and even with some tagging work that I didn't do but my collaborators did, it paints a bigger and more complete picture of the behavior and the kind of health and status of the giant trevally populations in Seychelles. Our work has shown that these are top predator fish, which means that they're high up in the food chain. And so if you
research has shown across the world that if you remove those top predators, the whole ecosystem in some cases can be really almost to the move to push to the point of collapse. We're seeing that now with some of our big sharks disappearing. And so just understanding, like, hey, these GTs, they're really important. They're top predators. They might not taste good, but if I catch one, I'm going to carefully put it back in the water because we know that it's important just to exist. Bon participant présent et aussi pense à l'opportunité pour demander une question et donner l'opinion le sabon résultat qu'il fait ressortir de sa présentation. Et je te vois sa présentation pré-informative par Faisal Solomon qui lit et dit sabon l'espèce est capable d'amener l'opportunité le côté tourisme d'un pays. Mon faire recreation fishing. Nous nous tag GT ici le la côte Owo et je dis que nous sommes même GT. Cousine, il y a à peu près 25 000 distances. Et ça, GT, il y a à peu près 28 cm. Et les zones où ils capturent là-bas, il y a à peu près 38. So, in Gandhi, within a period of 6 months, comme ça, in travel, GT, nous pas trop parler comme un poisson qui est commercially accessible pour nous. Nous pas manger, c'est pas trop servir. Mais c'est moi, le côté tourism-wise, il vraiment important ça l'espèce pour Cécile. Il pour encourager nous un jour pour build up si bateau ton arrêté Cécile, nous on a l'autre la pêche qui nous ca rentrer là-dedans c'est tourism fisheries. Et ça madame explique nous son bonne mouvementation sa poisson comme si accessible partout là. On a Oman, Australie, Hawaï, il pas juste trouver dans nous de l'eau Cécile. Il y a l'espèce qui il est apex, le top list, so meaning il commence tout. Mon nom, il peut manger un petit torti, les autres torti de le lance de l'eau. De so il y a un poisson loin côté pour sport wise, il y a un bon plus fort poisson pour la guerre avec. Après sa présentation, Dr. Glassy G annonce l'enthousiasme pour continuer à collaborer et travailler avec Jimoun qui la pêche pour loisir et Ben Sese et scientiste de Cécile qui peut faire bonne recherche pareille. Un groupe d'enfants peut faire une licence éducationnelle Maurice. Sa licence qui expecte faire en route peut inclure dans différentes activités le droit aux enfants, l'hospitalité, culture et l'environnement. Parents, enseignants et aussi officiers protocole, conseil la jeunesse y expecte accompagner sa bonne enfant. Ça y est performance parmi plusieurs les autres qui enfants l'école primaire Montfleury pour performer Maurice dans une visite éducationnelle plus tard cette année. Je suis excité pour représenter l'école Montfleury pour mater ben maman et Maurice le bon cadence traditionnel et les autres quelque chose qui nous pas fait. Bonsoir hier. Moi excité pour monter à ben maman et Maurice qui m'a dit nous cadence traditionnel y était qui m'a dit nous cadence y était et bien fier pour l'école Montfleury. Protège la faute, protège la solidarité. Maurice, c'est la loi. J'ai écrit sa poème et je suis allée avec mon papa. Je suis excitée d'abord, la première fois que mes enfants sont déplacés, qui se sont pour aller un pays, quand même pas loin, un pays voisin, mais c'est moi pour moi, bien gros l'accomplissement. Sa licence éducationnelle pour faire pendant 12 jours, entre les 22 août jusqu'à 2 septembre salonné. Sa délégation, y compris 29 enfants, âgés entre 8 à 11 ans, 15 parents et enseignants, et aussi des officiers protocoles sortis du conseil la jeunesse. Sa programme pendant différentes activités, le droit humain, l'hospitalité, culture et l'environnement. Sa bonne enfant y sorti de différents groupes dans l'école tels que l'hospitalité, care club et club culturel. Il y a l'essence éducationnelle pour les enfants, pour gagner sens, apprendre les différentes choses, par exemple, pour faire avec l'essence culturelle. Comme ici, quand l'école, il y a un club culturel, il y a un club qui est pour faire avec social studies aussi, pour apprendre l'environnement. Après, on peut aussi gagner sens, apprendre l'environnement, dehors, là-bas, comme nous bien aller, Maurice. Il y a une bonne session qui est une experte aussi pour faire les zones là-bas, pour le programme ISASE, pour s'attendez, pour dire que vous participez à la session avec un spécialiste, le Human Rights.
Sa lisans yen l'invitation par 10 mois en l'organisation sortie dans sud-ouest l'océan Indien. Son rôle principal est pour promouvoir droit humain parmi Banzen. Sa l'organisation ti créé en 2021 et Lindley Couronne y son fondateur. Sa l'école peut demander pour vous autres capables de faire sa déplacement et succès. Oui, mon peut lancer l'appel, mon peut demander bonnes sponsors, nous peut essayer de taper la porte un petit peu partout. Aide-nous pour aider sa bonnes enfants pour nous capables de faire notre rêve vivre une réalité. Oui, là, nous peut aller mourir sans. Nous avons une quantité de dépenses, Nous pouvons essayer de taper côté Children's Fund pour aider nous avec l'avion. Et nous avons abonné les autres dépenses logistiques là-bas, pareil, transportation. Nous avons besoin d'argent encore pour manger. Breakfast bon matin, dîner, déjeuner. Et nous nous pouvons dire que nous avons fait comme dans la boutique. Il n'est pas nécessaire de nous donner l'argent. Si y a une possibilité, l'école primaire Montfleury respecte et participe de banter l'essence encore à l'avenir. L'école primaire Persévérance, il lance son campagne anti-bullying sans baptême Be a Buddy, notre bully, et pour aller point non. L'école Persévérance, il lance son campagne anti-bullying hier. Sa campagne pour faire pour un an en baptême Be a Buddy, notre bully. En d'autres mots, venez amis, mais pas un bully. Et pendant plusieurs activités qui pourraient organiser comme bonne causerie, compétition pour M, histoire parmi les autres, pour aussi une cérémonie d'un prix pour sa bonne compétition. Ministre pour l'Éducation, Justin Valentin, il dit que l'école Persévérance, il devrait continuer avec sa modèle pour guider si effective et si capable de gagner trop de jouer dans les autres écoles. Si un an est désaccord entre les autres, rôde si pas ben adulte dans l'école. Et laisse sa bonne adulte et les autres résoudre sa bonne désaccord. Cause avec un adulte les autres bonnes problèmes. Mon côté l'initiative qui peut arriver là. Mon bon buddies, on appelle ça, sa team, qui peut accompagner les autres. Les enfants, sa bonne étudiant, pour accompagner les autres. Et pour faire que les autres ils vivent bien et ils passent bien avec l'école. Alors, donne-nous tous les supports qu'il y a. Et moi, je suis content un modèle. Tu as bon l'école Persévérance. Nous avons un modèle qui m'a aidé à faire. Nous pouvons demander aux autres qui m'ont aidé à faire. Nous pouvons causer là. Et pour parler un petit action research. Et si ce modèle est intéressant, monitor ce modèle. Donne ce modèle la force, support. Et si vous avez besoin de support pour headquarters, nous parlons pour supporter. Si vous avez besoin de researchers pour venir dans sa procédure, nous parlons à cause de l'envie, un modèle qui est plus tard, nous sommes capables de mettre dans les autres écoles. Côté avant, nous avons accompagnateur et après, nous avons répliqué dans les autres écoles. Envie félicite l'école Persévérance qui peut booster sa thème l'année, faire l'école venir plus contexte. L'apprentissage et l'environnement et l'apprentissage et l'enseignement viennent plus solidaires. Et mon croisotine comprend très bien. Donc, mon suis content, nous donnons l'école un gros applaudissement. À cause de ça, il y a l'initiative fantastique. Député ça l'école, il dit qu'il y a plusieurs stakeholders pour participer, pour donner un peu plus d'éclaircissement sur sa bonne situation bullying, de bonnes causes oui, qui pourraient faire en avenir. Ça, l'événement que nous lançons, vu qu'il y a un nouveau staff ici, Persévérance, et moi nous un petit peu qu'on a un petit peu qu'un problème bullying, so nous dit why not avec nos support staff, nos support team, nous dit nous avons lancé sa campagne, ce moyen campagne qui pour un an est comme si pour nous y a un plan comme si nous peut faire pour un an est, donc nous décidons pour nous lancer dans les temps qui Children's Day pour nous faire un petit peu plus important, sortir mettre un petit peu les portes ça avec. Merci pour rester avec nous. Nous continuons avec nos bulletins. Public et visiteurs pour capable facilement gagner accès avec l'information et activités qui l'institut pour qu'il tire l'héritage là et organisé. Ça pour possible à travers son site web qui est lancé hier, code domaine Val-des-Prés. Sa site web y a dans différentes plateformes avec plusieurs informations qui mènent visiter et ses lois et capable aller pour connaître côté et qui qualité activité qui ça l'institut et son bon
bon partenaire et en un prophète dans le domaine culturel et traditionnel. C'est le secrétaire permanent pour culture, Cécile Calémy, qui a officiellement lancé sa site web de présence plusieurs invités qui tient inclus membre corps diplomatique, membre l'Assemblée nationale et travailleur à l'Institut. Aujourd'hui soir, nous lançons des activités, des nouvelles activités qui nous permettent le calendrier, qui nous appelle Cultural Tourism. Et nous, nos Cultural Encounters Platform, c'est une plateforme que nous vendons une expérience culturelle. Nous voyons une nécessité pour nous, par nous dire en anglais, one-stop shop. Quand Cécile va comment visiter et qu'elle vient sur site, il est vraiment facile pour accéder. Et là, nous avons un peu une expérience qui a été faite par nous, l'Institut. Nous, of course, peut demander aux autres personnes qui ont cette expérience ou contacter nous, parce que nous avons nous à collaborer pour nous en plus. Nous avons une plateforme qui est client. Et nous avons une plateforme qui est planée vacances, qui est l'activité, qui est la famille, qui servent sa plateforme pour faire ça. Et nous, pour les city, ils aident nous de façon. Premièrement, ils aident la communauté quand nous sommes l'héritage. Deuxièmement, aussi, ils aident les city pour venir et revenir. Qui aussi il est tombé la communauté à cause bon peu pouvoir c'est une activité il la communauté qui peut faire par grandma savoir faire il y a un groupe de troisième âge qui collabore avec nous dans nos craft village que dans tout bonne vendeur si côté domaine so il y a quelque chose qui il est retombé plus large nous peut poster ça site web le bonne réseau social et médias aussi merci pour venir tantôt vous travaillez aider pour envoyer ces bonnes informations avec bon du monde de la case de la cour. Et nous pouvons encourager pour servir sa plateforme, donne-nous aussi une bonne idée, guide-nous, quelquefois que nous sommes capables d'improver, nous faire quelque chose de plus bien, nous définitivement, nous avons envie de ça y arriver. Et nous avons envie de ce qui nous cultive, nous centre de développement. Et les sites pour culture, l'héritage est là, nous aussi lancer l'autre activité culturelle qui peut bénéficier visiteurs aussi bien que Cécilois. Et ça, il balle la semaine. Secrétaire permanent pour culture, Cécile Calibi, dit sa balle créole pour aussi aider à garder nous la danse traditionnelle vivant. Madame Calibi, elle demande tout le monde pour saisir sa opportunité pour participer à sa activité qui peut faire tous les mercredis, la fin du mois. Ça va aller pour organiser tous les mercredis, la fin du mois. Et cette activité pour coûter 250 euros par personne. Et là-dedans, il peut nous parler au commencement un cabaret pour nous montrer un peu, démontrer un peu nos bonnes la danse traditionnelle. Et après, par le pouvoir pour les clients, c'est celle qui a été ractée, danser. Nous commençons 6h, nous pouvons finir 10h du soir. Et ça, nous pouvons faire le mercredi. C'est ça que nous appelons la semaine. Merci pour suivre. Vitana pour présenter avec Nouvelle Sports dans un petit moment. Bonsoir.